Salut tout le monde, c'est Anix3 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais alors là un peu spéciale puisque vous voyez ma face avec ma touffe énorme qu'il faut que j'aille faire couper chez le coiffeur pour vous remercier en fait tout simplement d'une petite chose que vous m'avez offerte il y a peu de temps, c'est d'avoir dépassé la grosse barre des 150 abonnés pour moi. Et alors là, merci. Merci beaucoup. Franchement c'était génial, quand j'ai vu ça... J'ai appelé ma copine, je lui ai dit c'est génial, ils sont à 150 sur ma chaîne et tout, elle m'a dit arrête c'est pas vrai, enfin elle s'en foutait un peu, mais moi j'étais super content, 150 abonnés, j'ai dit waouh, le truc de fou, déjà que je suis arrivé à 50 la dernière fois, enfin il y a quelques mois maintenant, puis quand je suis arrivé à 50 j'étais waouh, j'étais déjà là-haut, ensuite je suis arrivé à 100, j'étais encore plus là-haut et alors là, j'ai presque atteint le nirvana, enfin quand j'atteindrai le nirvana je tombe dans les pommes et je meurs après, donc n'allez pas trop haut au niveau des abonnés. Non c'est déjà énorme, franchement 156 abonnés, vous êtes à cette heure-ci, à l'heure où je fais la vidéo. Donc je vous remercie tous. Je tenais à remercier aussi les personnes qui m'ont aidé à me lancer dans l'aventure YouTube. Donc il y en a qui doivent se dire derrière la vidéo, mais pourquoi il fait une vidéo remerciement 150 abonnés, c'est ridicule. Ben moi non, je trouve pas, 150 c'est énorme. Et je me coupe. Non, ce que je voulais dire surtout c'était merci à Choco, Monsieur le Carton, à MrLin49, à Ikuzay, à Spock le Ouf, à Iron Machine DX. Ah, j'ai peur d'en oublier, ils vont me tuer. Je crois que j'en ai oublié un, mais je crois qu'il me tuera plus tard. Non, c'est bon. Force X1. Excuse-moi, Alex. Je t'oubliais. Donc, ouais, merci les mecs, parce que vous m'avez lancé, vous m'avez aidé. Ils m'ont proposé sur leur chaîne en montrant quelques péripéties, quelques conneries qu'on a fait sur les jeux. C'est sûr, je me suis engagé aussi avec la FR Gaming Zone pendant un certain temps. Donc, ça a lancé la chaîne avec Fabs of Chapter. Une série qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Je tenais à vous annoncer qu'il y aurait bientôt un nouvel épisode bonus. Mais bon, ça c'est pas tout de suite, hein. On attendra un petit peu. Donc oui, ça, la FR Gaming Zone qui m'a lancé, donc je remercie une fois KDC, parce que merci à toi d'avoir accepté la candidature avec coup de les cœurs. Vous avez été super sympa les mecs, bon maintenant vous avez d'autres projets pour la FR Gaming Zone, donc c'est pour ça que on a arrêté de... Attendez, je m'en vais bien. Ok. Non, c'est pour ça que j'ai arrêté la FR Gaming Zone en fin juillet, parce que, non pas qu'on s'entendait plus, au contraire, hein, tout va bien entre nous. C'est juste que voient plus grand pour leur chaîne et puis moi je vois beaucoup Glutki. Voilà, donc c'est tout. Je voulais juste dire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi je voudrais vous offrir quelque chose pour ces 150 abonnés, mais malheureusement je ne peux pas. J'en aurai les moyens. Franchement, je vous ferai un petit concours sympathique, mais je vous demanderai quelque chose d'artistique derrière. Parce que moi je ne veux pas un concours où les gens s'abonnent et mettent voilà je participe pour voilà pour ça, pour ça, pour ça. Non, moi ce que je veux, c'est créer une sorte de concours mais artistique. C'est par exemple, même si t'es pas bon en dessin, même si t'es pas bon en musique, même si t'es pas bon, je sais pas, en création de vidéo, si t'as envie de gagner ce lot, je pense que l'inspiration viendra quand même. Tu feras le maximum et moi je suis vachement indulgent parce que moi aussi je galère. Franchement je galère parce qu'il y a des fois je galère avec les micros à les régler parce que ce truc là c'est horrible. J'en peux plus. Ou la qualité HD qui passe pas. Mais on a tous des merdes pareilles, vous voyez. Je suis sûr par exemple la vidéo YouTube là avec juste ma tête dessus, ils vont pas vouloir que je la monétise alors que pourtant je gagne rien avec la monétisation, mais strictement rien du tout. Je crois que j'ai gagné en avril, j'ai gagné 20 centimes. Et les 20 centimes, ils ont supprimé parce que pour eux, c'était pas normal que je gagne 20 centimes. Donc, en gros, j'ai jamais rien gagné avec la monétisation. Pourtant, j'ai aucun malus, j'ai rien du tout. Mais c'est juste parce que c'est une chaîne de jeux vidéo et ça ne plaît pas. Enfin, bref, voilà. J'ai beau être monétisé sur YouTube, je ne gagne strictement rien du tout. Je pourrais vous le prouver de différentes façons, mais c'est. Sans déconner, je ne gagne rien, je ne m'achète pas de jeux. Les seuls trucs que je me trouve, c'est par exemple, voilà. Cold Fear, donc ça, Cold Fear, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le jeu que j'ai acheté à 3€ au Easy Cash. Donc, si quelqu'un connaît le Easy Cash, ce genre de truc de récup, de case, 3€ que j'ai acheté ça. C'est une sorte de survival horror sur un bateau, un peu Resident Evil
Power, mais bon. Bon, il est sympa, mais bon, c'est pas trop mon style de jeu non plus, c'est pour faire plaisir au vendeur que j'ai acheté. Je pense à toi, Michel. Et donc, non, voilà. Moi, déjà, je galère, j'aimerais bien vous offrir plein de cadeaux, mais je ne peux pas. Déjà, par exemple, moi, je récupère beaucoup, donc voilà, je m'en excuse à cette heure-ci. Mais je vous le promets, dès que j'en ai les moyens, dès que je peux quelque chose, parce que la dernière fois, je voulais vous acheter quelque chose. Alors, un petit lot, une petite connerie, pour un petit concours pour vous, à Japan Expo. Puis quand j'ai vu les prix, je me suis dit merde quoi, j'ai 20 euros, ça coûte bien 40 euros le truc, je peux pas, c'est tout simplement manque de moyens, je ne peux rien vous offrir comme ça. À part mes vidéos que je vous offre gratuitement avec tout l'amour que je peux, le partage que je vous donne, mais c'est pas plus, c'est mieux. En tout cas, je m'en excuse pour ça. Voilà, au niveau des concours, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais remercier également la communauté féminine de ma chaîne, parce que oui, j'ai des femmes qui regardent ma chaîne, des jeunes filles, des jeunes femmes. J'en ai même une qui vient de Guadeloupe, parce qu'on peut tout voir avec l'analytique, ça c'est génial. Petite dédicace à toi qui me regarde à l'autre bout de la terre. Je trouve ça génial, moi, je trouve ça génial. J'ai été vu au Mexique, j'ai été vu au Japon aussi, à Tokyo. Et ça c'est plutôt cool. Enfin, à Tokyo, pas sûr que ce soit Tokyo, mais j'espère que c'est Tokyo, ça serait encore plus cool. Non, pour le fait qu'on entende ta voix, qu'on voie ta gueule, mais à l'autre bout du monde, ça c'est plutôt sympa, merci YouTube. Je trouve ça marrant, bah, c'est fondateur. Et puis voilà quoi, je voulais aussi remercier bah, cette communauté féminine qui me suit. Je pense à Ulkinou, je crois. Je crois que c'est. Oui, je crois que c'est comme ça, excuse-moi si j'ai ébréché ton pseudo, mais c'était pas voulu. Qui m'a beaucoup suivi sur Fable. Je t'en remercie parce que tu m'as donné pas mal de conseils. Bon, il y a plein de mes abonnés que je remercie. Par exemple, il y a un nom que je vois souvent revenir, c'est Bren21. Je pense à toi. J'en vois tellement. Il y a Gros Tony. Vous êtes beaucoup en fait. Vous êtes tellement beaucoup que voilà. Je vous remercie tous. Merci. Vous avez trop de pseudos, je peux pas tous vous les dire. Puis en plus, je les écorcherai à cette heure-ci. Donc je vous fais à tous de gros poutous, je vous dis merci pour les 156 abonnés, vous êtes là, vous me suivez, vous êtes géniaux. Tout simplement, vous êtes géniaux, donc j'espère que vous suivrez les autres aventures de l'X3 Channel. Et pour la fin, je voudrais juste remercier encore une fois, parce que je l'ai fait encore par mail, mais enfin par message YouTube. Je voudrais remercier Benzaï, donc pour la Benzaï TV, pour ceux qui ne connaissent pas, mes abonnés, allez le voir. Benzaï qui m'a accordé une interview, enfin une petite interview en plus mal cadrée et tout ça que j'ai. Oh la vache, j'ai mal galéré à la Japan Expo. Donc merci Benzaï, super sympa. Hein. Merci à toi et à Marcus que j'ai rencontré aussi. Alors là, Marcus, c'est un type comme ça. Quoi. Il en a gros sur le cœur. Donc voilà, c'est un type génial. Donc on va s'arrêter là avant que ça prête des heures et des heures de vidéo parce que je pourrais vous causer des heures et des heures, ça me dérange pas. Mais... Bon, il y a un moment où il faut dire stop. En plus, vous allez arrêter de voir ma sale gueule, vous allez retourner sur les jeux vidéo, aller voir du Goblenon, aller voir du Diablo X9, je pense à eux, les gars, même si vous me connaissez pas. Allez, Geek Power, et puis que l'esprit du geek soit avec vous, mesdames et messieurs. Allez, salut.